Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonjour. Merci de venir nous trouver ou nous regarder, puisqu'il se trouve qu'on est en direct également sur le monde entier, du coup, sur les réseaux sociaux, en l'occurrence sur la page Facebook de Lire, qui équivaut au monde entier d'ailleurs, je le dis tout de suite. Pour cette table ronde, je crois que c'est la première de la journée d'ailleurs, sur comment ont-elles fait, c'est marqué comment ont-ils fait, mais le « il » des invités, Olivier Liron, devrait arriver. Donc pour le moment, ça va être comment ont-elles fait, avec deux invités que je vous présente sans plus tarder. À ma gauche, je vais commencer par celle qui a respecté le code couleur de la scène, puisque vous avez vu qu'elle avait une robe quasiment du même bleu que le papier peint que nous avons ici. Donc bravo et merci d'avoir respecté ce code couleur, Mélanie Taquet. Alors vous êtes ici en tant que romancière, découverte par l'agence Librinova, avec laquelle nous, à Lire, on partage ce stand cette année encore. Vous venez donc de l'auto-édition, puisque Librinova est une plateforme d'agence et d'auto-édition, et vous avez après, du coup, avec Librinova, été publié dans l'édition, donc de l'auto-édition à l'édition habituel, dira-t-on. C'est votre deuxième roman, hein, je crois, qui vient de paraître. Je crois même que c'est la première fois dans le monde qu'on va vous entendre en parler, oui, en vrai. Votre deuxième roman, donc, il vient de paraître et il s'intitule « Reviens quand tu veux ». Il fait suite à « Reste aussi longtemps que tu voudras ». Voilà, toute une histoire. Chez Erol, après donc être paru en ligne chez Librinova, après avoir été auto-édité, pardon. À votre gauche, cette assise Anne-Laure Bondou, vous êtes publié, vous, au Fleuve. Vous avez la particularité, même si en fait c'est juste un destin, pas une particularité, d'avoir commencé par la littérature, la fiction pour jeunesse, si je ne m'abuse, pour ensuite publier récemment votre premier, je crois, un roman... C'est le deuxième. Ah pardon, deuxième roman dit pour adultes, Valentine ou la belle saison au fleuve. On parlera donc justement de ces deux jambes fictionnelles, justement, ces deux sortes de publics qui, en fait, souvent n'en font qu'un, puisque les enfants sont souvent de petits adultes et les adultes sont souvent de grands enfants. Mais je voulais commencer avec vous, Mélanie Taquet, justement sur l'auto-édition puis l'édition ensuite. L'auto-édition étant encore quelque chose de mal compris, où on ne sait pas tout ce que cela inclut comme travail. Est-ce que c'est un choix au début, lorsqu'on est auteur, surtout dans les années 2010, de se passer d'un éditeur conventionnel au début pour justement publier directement et ensuite essayer de se faire repérer par l'édition classique par là? Est-ce que c'est un choix ou est-ce que c'est parce qu'on n'a pas le choix et qu'on veut publier le plus vite possible? Mais pour moi, ça a été un choix de passer directement par l'auto-édition. Je n'avais pas envie d'envoyer des manuscrits à des dizaines de maisons d'édition et d'essuyer des refus. Ce n'était pas mon objectif. Donc je connaissais Librinova parce que j'avais été finaliste d'un concours de nouvelles et donc j'ai choisi de... C'était le concours Librinova et iPoint des nouvelles pour voyager. Et donc j'ai publié mon recueil chez Librinova. Et grâce à ça, j'ai pu découvrir la facilité et l'accessibilité de l'auto-édition. Et donc j'ai choisi de auto-éditer mon roman, mon premier roman. Et ensuite, comment s'est fait le... Au bout de combien de temps et comment s'est fait d'ailleurs l'édition, alors chez Erol en l'occurrence, parce que c'est votre éditeur pour vos deux romans, est-ce qu'au bout de combien de temps il vous a repéré ou comment s'est fait le lien? Alors le lien s'est fait grâce à Librinova, l'agent Librinova, qui, mon premier roman est paru en juin et dès la fin du mois de juillet, j'étais déjà à 2500 copies vendues en numérique. Et donc, j'ai eu... Ce qui est un chiffre pas mal quand même. Hein. C'est bien. Ouais. Et puis, à la fin de l'été, j'étais à plus de 4000. Donc, c'est pas tout le monde qui peut dire ça. L'agent Librinova, Andrea, a démarché les maisons d'édition. Et Erol a été le premier à émettre un avis favorable. Et j'ai pu discuter avec l'éditrice parce que pour moi, c'était le plus important. C'était de communiquer avec une personne et pas juste une maison. Et ça s'est fait très vite, donc après on a retravaillé un petit peu le manuscrit
Et puis, il est ressorti en février 2018, donc à peine 6 mois après sa sortie en auto-édition. Dans une version un peu remasterisée, vous diriez, ou... Très peu, en fait. On a revu surtout la forme et un petit peu le fond, mais pas tant que ça. Anne-Laure Bondou, alors vous, c'est un autre cheminement, forcément. Alors, fiction pour jeunesse, il se trouve que vous avez eu plusieurs prix, et puis aussi que c'est comme ça qu'un nom grandit, qu'une œuvre grandit aussi, et puis après, choix d'une fiction pour un autre public. Pareil, comment... Est-ce que d'ailleurs, pour vous, la question s'est posée au début d'auto-éditer ? Pas du tout, j'écoute fascinée ce parcours, parce que... Alors, moi, c'est ce que je disais tout à l'heure à Mélanie, je suis bien plus âgée qu'elle. J'ai commencé à envoyer des manuscrits à une époque où Internet n'existait pas quasiment, puisque moi, j'ai commencé à envoyer des manuscrits, j'avais 18 ans, donc c'était à peu près à l'époque où Mélanie est née. On a fait le calcul tout à l'heure. Il paraît que ça se voit pas trop, donc ça va. Je vous confirme. Parce que j'ai envoyé mon premier manuscrit en 89. 1989, Internet n'existait pas, donc... Allait être officiellement inventé, mais c'était à quelques mois voilà, après. Oui, voilà, mais en tout cas, on était très très loin de pouvoir se dire, tiens, je vais passer par là pour envoyer un manuscrit quelconque. Donc à l'époque, je tapais sur une vieille machine à écrire classique de mon père qui faisait ding au bout de la ligne, et j'avais été faire des photocopies dans un magasin de photocopies pour relier mes manuscrits. J'en avais fait une dizaine d'exemplaires, et ensuite j'ai fait la tournée des éditeurs parisiens pour essayer de placer mon manuscrit. Donc moi, j'ai commencé comme ça en 1989, et ça n'a pas marché. Et bonjour. Bienvenue. Alors, ça va, là? Ouais. Bah, bonjour. 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 Il n'y a pas Messer, c'est Olivier Liron qui... Et ça devient, du coup... J'étais entre la lettre E et la lettre F. J'ai raté l'alphabet, je fais à l'envers. Et donc après, moi, j'ai mis un certain temps avant de pouvoir obtenir le fameux oui d'un éditeur, puisque ça s'est fait en 1999, donc 10 ans après. Et entre-temps, j'avais envoyé énormément de manuscrits à des maisons, mais sous format papier, ou... il n'était pas question de faire autrement, en fait. Et la première fois qu'on m'a dit oui, c'était en littérature jeunesse. Donc j'ai commencé par là, effectivement, et ça fait maintenant 20 ans pratiquement que je publie des romans pour les ados, essentiellement. Donc ça fait 20 ans qu'on vous dit oui. Ça fait 20 ans qu'on me dit oui, mais on m'a redit non entre des oui, et notamment en littérature générale, puisque j'ai retenté ma chance en ayant publié des romans en littérature ado, j'ai retenté ma chance en littérature générale, et j'ai essuyé encore un ou deux noms entre-temps, voilà, et jusqu'à... Et Je danse aussi, qui a été le premier oui en 2015, que j'ai coécrit avec Jean-Claude Morleva. Puis Valentine, voilà. Donc maintenant, plus personne ne me dira non. Voilà, alors la pression est sur Olivier Liron qui ne devra pas dire non à sa voisine de droite. Alors, pour continuer un peu dans les trois destins que nous avons, donc Mélanie Taquet, auto-édition, Anne-Laure Bondou, jeunesse et adulte. Vous, Olivier Liron, deuxième roman paru en la rentrée littéraire dernière, hein, Einstein, le sexe et moi, chez Alma Éditeur. Vous, le lien que vous avez avec l'univers et les lecteurs et lectrices aussi de l'univers dématérialisé, c'est que vous avez eu aussi un prix des blogueurs. Donc vous aussi faites partie de ces gens qui avaient vraiment eu très tôt des fans, des lecteurs et des lectrices dans les librairies, aussi bien que sur le dématérialisé, etc. Alors on commençait par parler de l'auto-édition. Est-ce que pour vous aussi, la question s'est posée lors de votre premier manuscrit envoyé, est-ce que vous avez aussi cherché, comme Mélanie Taquet, à l'auto-éditer pour être repéré après ou pas ? Vous l'avez directement envoyé ? Merci Hubert. Non, moi j'ai jamais... je sais pas si j'ai eu de la reconnaissance dématérialisée. Je crois que c'est très matériel en fait, c'est des lecteurs, des lectrices. C'est simplement que j'ai pas mal utilisé les réseaux pour sans doute faire la promotion du dernier roman. Et en un sens, ça permet de sans doute de déroger à d'autres codes en fait, de promotion qui sont plus institutionnels et qui,
qui est sans doute plus figé aussi et ne mettent pas en avant forcément les mêmes œuvres ou des œuvres plus académiques. Donc c'est vraiment une espèce de liberté en fait, je trouve, les réseaux par rapport à ça. Non, en fait l'édition, tout, je sais pas, moi j'ai toujours écrit et j'ai jamais pensé en fait à être publié en fait. Donc en fait je me suis jamais posé la question savoir s'il fallait l'auto-édition ou l'édition, en fait je voulais pas publier. Après, sans vouloir casser l'ambiance, non, l'auto-édition... S'il vous plaît, ce serait bien, oui, à 12h15, ce serait moi, bien. Moi, j'ai pas vraiment l'impression que l'auto-édition met en valeur... alors, il y a quelque chose qui fait qu'aujourd'hui, il y a peut-être des livres qui sont pas, qui mériteraient pas d'être publiés, mais grosso modo, j'ai l'impression quand même que l'édition est une sorte de pierre de touche, c'est-à-dire qu'à un moment, moi, je lis énormément de manuscrits, genre de gens qui veulent, moi je lis les manuscrits qu'on m'envoie. Parce que je suis pas éditeur. Non, je suis pas éditeur, mais je, à titre personnel, ça m'arrive beaucoup de lire des jeunes auteurs. Et je dirais qu'en général, je vois tout de suite quand le manuscrit est bon ou quand il est pas bon. Je me place quand même dans la tête d'un éditeur qui va recevoir énormément de manuscrits. J'ai l'impression que la question c'est pas de publier ou de pas publier, c'est de savoir déjà si on construit quelque chose, quoi, si on écrit quelque chose de valable et. Mais j'ai l'impression que il y a vraiment une frontière très nette en fait entre des gens qui sont dans une démarche d'écriture qui vont avoir un travail artistique, poétique très fort et d'autres manuscrits qui me semblent qui sont tellement dans la norme que je ne pense pas qu'un éditeur va prendre le risque de le publier en fait. Si vous avez rien d'autre à proposer que ce qui est déjà écrit, je pense que c'est d'abord la démarche, c'est ce qu'on fait, quoi, et quelle est la nécessité derrière, quoi. Donc, je pense que si vous avez quelque chose d'intéressant à proposer, qu'ensuite vous faites effectivement introduire ou que vous envoyez directement un manuscrit et que le manuscrit est bon, vous avez toutes les chances d'être publié. Moi, j'ai beaucoup de gens qui ont été publiés sans avoir été introduits par un tiers. J'ai pas l'impression que ce soit, entre guillemets, si difficile d'être publié, en fait, quand on a passé 20 ou 30 ans, comme c'est mon cas, à écrire, en fait. D'accord. J'ai commencé à écrire à 6 ans, et à 28 ans, j'ai envoyé un premier manuscrit. Et de 6 à 28 ans, je me suis pas dit, je vais être auto-édité pour être au salon du livre et faire des tables rondes. Je me suis dit, c'est nécessaire, en fait. Et en fait, si vous faites n'importe quelle démarche artistique, si vous pouvez pas faire autrement, continuez à écrire. Si vous pouvez faire autrement et que c'est pas vraiment nécessaire, franchement, je vois pas l'intérêt de rajouter un autre livre par rapport aux millions de livres qui sont déjà là. Donc, y a un moment, il faut aussi savoir faire le partage entre ce qui relève de l'ego trip, qui relève dans certains cas de la publication, parce que c'est mon petit ego trip, je veux publier un livre, ce qui n'a absolument aucun intérêt artistique, et vraiment une démarche d'auteur où effectivement vous allez avoir besoin de publier. Et dans ce cas, l'auto-édition est une démarche excellente. Je pense qu'aujourd'hui, l'auto-édition elle permet vraiment de publier des choses qui vont être boycottées par les éditeurs parce que la prise de risque sera supérieure. Donc, je pense que c'est une très bonne solution, l'auto-édition. Mais il faut qu'il y ait une démarche derrière. J'écoute tout à fait attentivement ce qui vient d'être dit. Effectivement, il y a des choses qui pour moi résonnent parce que j'ai un parcours un petit peu similaire. J'ai mis très longtemps aussi avant de publier dans un vieux monde où l'auto-édition n'était pas une question, n'était pas une possibilité. Néanmoins, je constate aussi que l'édition classique, on va dire traditionnelle, s'empare, comme on l'a vu avec Mélanie, des nouveaux outils justement et qu'il commence à y avoir justement des partenariats qui se font finalement avec ces tremplins dit d'auto-édition qui intéresse les éditeurs traditionnels. Donc peut-être que les choses sont simplement en train de changer. Et en tout cas, moi, ça me re-questionne sur... par exemple, moi, j'ai des enfants un peu âgés maintenant qui voudraient écrire. Et ça m'interpelle de me demander justement est-ce que je leur dis fais comme moi, t'envoies tes manuscrits, etc. Ou est-ce que je leur dis regarde ce qui se fait aussi en auto-édition, est-ce que c'est un chemin possible, parce que de toute façon au bout il y aura quand même du tri toujours. C'est-à-dire et du coup qu'est-ce qu'ils font? Un petit peu âgés, j'entends par là qu'ils sont jeunes adultes. Ils sont en âge de faire leur choix, et quel est leur choix? Pour l'instant ils voudraient publier en édition classique. Mais parce je crois que c'est tout le monde. Mais... Enfin, et en fait, je pense que c'est une reconnaissance d'être en librairie, de pouvoir toucher son livre. C'est le but, oui. Mais après, moi personnellement, je suis pas passée par l'auto-édition en mode ego trip. J'ai juste choisi de faire ça parce que c'était mon objectif d'écrire un roman. Et avec toute l'humilité que je pouvais avoir à l'époque, j'espérais pas gagner des prix. J'avais pas l'idée non plus. Un rêve, oui, une idée d'être publiée en milieu classique, je ne sais pas. En tout cas, j'étais juste contente de l'avoir et de le partager avec mes proches. Et puis, ça m'a dépassée aussi parce que finalement, il y avait peut-être quelque chose que les lecteurs ont trouvé.
Mais je ne pense pas que c'était au bout du compte, effectivement, ce sont les lecteurs qui vont ensuite se faire le bouche à oreille, etc., et se dire, bon, bah, ça me plaît, etc. Parce que finalement, en édition classique, je pense qu'il y a aussi beaucoup de livres qui pourraient relever de la catégorie dont tu as parlé, à oui, savoir des livres qui n'en révolutionnent pas. C'est pas forcément la démarche qu'on peut avoir à chaque fois. Oui, je suis entièrement d'accord. En plus, je pense que le fait d'être publié aujourd'hui, c'est pas tant d'être publié que de pouvoir être repéré, entre guillemets, ou d'être lu. Et dans ce sens-là, je pense que l'auto-édition permet ça peut-être beaucoup mieux que d'être même dans une maison d'édition prestigieuse, d'être noyé en fait, au milieu d'une production qui est surabondante. Moi, ce qu'on m'a conseillé, effectivement, c'est d'adresser mon premier roman à des petits éditeurs. Salma est un petit éditeur. J'ai été incroyablement bien accompagné. Bon, j'ai eu cette chance. Moi, j'ai aussi publié un blog, en fait. Donc, ça relève de l'auto-édition avant d'envoyer ces manuscrits. Donc, c'est vraiment une démarche importante de publier, effectivement, de pouvoir le montrer aux gens qui sont autour de vous. Après, je pense qu'il y a vraiment... est-ce que ça permet d'être repéré, l'auto-édition ? Ça, je pense, c'est ambivalent. Ça peut l'être. Vous pouvez aussi, il y a aussi un piège, vous publiez un premier roman, moi j'ai des auteurs qui m'envoient, mais j'ai déjà publié en auto-édition, du coup je peux pas l'envoyer à des éditeurs parce qu'il est déjà auto-édité et du coup les éditeurs n'en veulent plus. Donc c'est assez ambivalent et effectivement la publication c'est un peu fait miroiter quelque chose, mais que ce soit un éditeur ou l'auto-édition, il y a beaucoup de jeunes auteurs qui sont frustrés parce que le manuscrit n'a pas, il a été publié mais pas dans les bonnes conditions, effectivement, mais on trouve pas en librairie, donc même les proches sont... Donc il faut, c'est une savante alchimie je pense, ouais. Mais je trouve ça dommage quand même que les maisons d'édition ferment la porte à des gens qui ont auto-édité, parce que je pense que l'auto-édition, c'est vraiment quelque chose qui... on le voit, ça s'est développé en quelques années. Et je pense que les éditeurs, mais de plus en plus, regardent... Dites-moi si je me trompe, mais il me semble qu'ils regardent de plus en plus, ils ont les yeux rivés sur ce qui se passe en auto-édition, et que finalement... il y a encore une connotation qui est négative, mais qui n'a plus lieu d'être, en fait, parce qu'il y a beaucoup de gens, enfin, je veux dire, j'ai une amie qui me parlait d'Aurélie Valogne, là, elle a une queue de dingue pour signer ses livres, elle est issue de l'auto-édition, et il n'y a pas qu'elle. Donc, au bout d'un moment, je pense que même si tous les livres auto-édités ne se valent pas forcément, il n'empêche que tous les livres, voilà, en général, c'est ce que tu disais, tout le monde, on peut trouver quand même des gens qui ont du mérite et du talent et qui ne font pas forcément. Moi, je n'ai pas fait le choix. Enfin, j'ai fait le choix justement de ne pas envoyer mon manuscrit en maison d'édition. Voilà, c'est l'auto-édition, c'est quelque chose d'accessible, de facile. Et pour une personne de ma génération qui a grandi avec Internet, c'était très simple en fait, très simple d'utilisation. Le truc qu'il y a au milieu de tout ça, c'est la validation et le travail créatif, éditorial, effectivement, entre une personne qui écrit et la personne qui va transformer ça en or, du coup, et le publier. Et c'est vrai que... Mais la question se posait quand les musiciens sont passés directement par MySpace pour mettre en ligne, puis vendre eux-mêmes leur musique. C'était pas forcément remasterisé, travaillé en studio, etc. Donc, ceux qui préféraient vraiment la musique en studio... Merci. Se disait oui, mais bon, il faut quand même l'aval, la validation et le travail artistique, créatif, de compagnie, etc. La question peut le phénomène peut être exactement le même en édition, parce qu'effectivement, certains pensent encore que lorsqu'on trouve un éditeur, celui-ci retravaille un peu comme il veut, alors narrativement, un personnage, un thème, un ordonnancement de chapitre, voilà. Et parfois, les écrivains réclame ça. Par exemple, vous, Olivier Liron, quand vous avez trouvé Alma Éditeur, comment avez-vous retravaillé ce qui est devenu votre premier roman avec lui, etc. Comment ça s'est passé, cette rencontre, pour qu'il vous publie après ? Le premier roman n'a pas été... il n'y a pas eu un travail énorme. Le deuxième a plus travaillé, mais après, moi, je fais l'éloge de l'édition traditionnelle, parce que c'est ça qui m'a permis d'être publié. Hein. Après, c'est pas... Je joue mon rôle dans cette table ronde, mais je pense que les deux... il y a quelque chose dans l'édition qui est quand même précieux, c'est l'accompagnement de... Moi, je pense que n'importe quel projet artistique, c'est quand même une rencontre. Vous faites une pièce de théâtre, vous avez besoin de rencontrer c'est des rencontres. Vous faites un film, vous avez besoin de rencontrer un producteur qui vous accompagne. Je trouve qu'en fait, par essence, en fait, l'art est une rencontre. Il y a besoin d'avoir une rencontre. Vous ne pouvez pas juste... la rencontre, si elle se fait directement de l'auteur au lecteur par l'auto-édition, c'est super, il n'y a aucun problème. Mais je pense qu'il faut vraiment, insister sur ça. C'est-à-dire qu'un processus artistique, même l'écriture, même la littérature, c'est pas un processus solitaire. Vous avez besoin d'envisager un lectorat, même de le fantasmer. Donc,
Je trouve que l'auto-édition a d'énormes appâts, en fait, et en même temps ce danger d'être dans un truc un peu autarcique ou un peu solipsiste, où finalement on publie et sans avoir à se mettre à l'épreuve. Or, on ne progresse en art que quand on est à l'épreuve de retour. Après, si le retour c'est directement les lecteurs, ça peut être extrêmement fécond et extrêmement productif. Mais moi, je fais l'éloge de l'édition parce que j'ai un éditeur extraordinaire et j'ai cette chance-là. Mais je pense que c'est important d'intégrer en fait ce dialogue en fait à l'intérieur de la création artistique. Et si elle se fait par l'éditeur, c'est bien. Si elle se fait par d'autres moyens, c'est très bien. Moi, je suis pas certain qu'effectivement Aurélie Valogne soit moins intéressante que Alexis Génie, quoi. Peu importe en fait d'être passé par l'auto-édition ou d'avoir un premier manuscrit, d'être envoyé par la poste et d'avoir le prix Goncourt. C'est pas du tout une question de type de littérature populaire, etc. Ça rend pas du tout à voir avec ça. Ça a à voir avec la démarche artistique et l'effort qu'il faut faire, en fait. C'est-à-dire que vous avez une vocation quand vous êtes artiste, quand vous êtes ébéniste, quand vous êtes, que ce soit de l'artisanat. Il y a un aspect, en fait, où vous avez besoin de 20 ans pour dessiner un roseau. Et donc c'est vrai que l'auto-édition a créé ce côté, je vais me mettre, après le travail, à bosser pendant un truc. Ça, c'est un truc que je reçois. Je reçois des centaines de manuscrits où il n'y a pas de travail, il n'y a pas de lecture derrière, en fait. Et c'est après... vrai que l'éditeur a quand même ce travail à cette exigence, quoi. Donc c'est quelque chose d'important, mais si vous avez d'autres interlocuteurs, des amis, des gens, je trouve que c'est extraordinaire l'auto-édition. Hein, c'est pas... Mais il faut vraiment que ça ne... Parce que si vous publiez des romans auto-édition, alors peut-être qu'il y en a un ou deux qui vont être opérés, mais si votre travail n'est pas bon, voilà. Et là, personne ne va vous le dire. Et ça, c'est un problème. Mais je pense que ce que tu dis, c'est très vrai. Mais c'est pas forcément le cas de tous les auto-édités. Il y en a beaucoup qui s'entourent. Librinova propose des services éditoriaux, mais même moi, j'ai travaillé avec des gens autour de moi parce que je suis tout à fait d'accord avec toi que l'écriture, c'est pas un processus solitaire et on a absolument besoin du regard des gens pour évoluer. Moi, j'ai eu la chance d'être accompagnée par mon éditeur, mais sur les choses que j'ai auto-éditées, j'ai cherché cet accompagnement-là aussi, j'ai cherché ce regard-là, j'ai cherché à me confronter pour pas justement rester dans ma zone de confort et pour faire évoluer le texte. En fait, tout dépend de ce qu'on... De ce qu'on cherche et de ce dont on a besoin. Moi, je réfléchis quand justement, dans cette vieille époque où il n'y avait pas Internet, ce qui a révolutionné, moi, le rapport que j'avais à mon travail, que j'envisageais sur la durée, c'est que je voulais que ce soit mon métier, je voulais en vivre. Enfin, il y avait une ambition comme ça que j'affichais dès l'adolescence, qui était forte, qui était de dire, moi, je veux que ce soit mon métier, donc que ça occupe la majorité de mon temps et que ça me permette de gagner ma vie. Donc, c'était effectivement très ambitieux. Et ce qui m'a révolutionné le rapport à ce travail-là, c'est que je suis passée à l'ordinateur. Alors, sur un premier Mac SE en 1990, noir et blanc. Et ce qui était génial, c'est que je pouvais avoir une impression que je travaillais sur la page, enfin que le résultat ressemblait à la page d'un roman. Et ça me permettait, pour moi, de me prendre au sérieux, en fait, dans mon travail. Ah oui. Alors que la machine à écrire qui bavait, où il y avait des pâtés et tout ça, je trouvais que ce n'était pas propre comme une page de livre. Et ce rapport que j'ai entretenu avec l'ordinateur m'a permis de me dire, ah, ça fait comme... J'ai choisi la typo qui pouvait ressembler à un livre édité, etc. Ça me permettait de me dire, attends, ce que tu écris là... Si c'était publié, il faudrait que tu en sois fier. Enfin, il y avait un miroir qui était renvoyé comme ça. Et j'ai l'impression que peut-être l'auto-édition va plus loin, apporte ce processus un peu plus... manifestement, Hubert n'a pas compris ce que je voulais dire. Pardon ? Si, c'est, on me donne une indication, mais qui est marquée avec une couleur que je distingue mal. D'accord. Est-ce que je me dis, c'est que... Il n'y a que en bleu, il n'y a que du bleu, donc c'est comme est-ce que Mélanie a la quatrième. Et le bleu, j'ai des consignes couleurs, moi, pour la vie, on m'a dit que du bleu, je dis bon, d'accord. Donc oui, je me dis, l'auto-édition, ça va encore plus loin dans ce processus. C'était parfaitement, c'était d'une limpidité exemplaire. Tant mieux, j'en suis ravie. Et je me dis, là, c'est encore aller plus loin, puisqu'on a carrément l'objet livre au bout du compte. Donc ça permet vraiment d'être dans ce rapport de sérieux. Ce que j'écris, ça va être lu, ça va être un objet que je vais pouvoir donner à quelqu'un qui va le lire. Donc pour moi, ça augmente peut-être l'exigence aussi du travail en amont. Enfin, c'est comme ça que j'aurais tendance à le prendre. De me dire, attends, t'écris pas dans ton coin, tu as au bout du compte un objet, un livre, c'est pas rien. C'est ce qu'il disait aussi Olivier par rapport à le lectorat. On n'écrit pas que pour soi, on écrit aussi pour être lu. Et on a ce devoir, je pense, et cette exigence de je sais pas, une honnêteté intellectuelle de donner le meilleur de ce qu'on a et de ce qu'on est, quoi. Et de pas se contenter d'un...
voilà, ça y est, j'ai fini mon premier jet, ça y est, il est fini. Et c'est une mais je pense qu'il y en a qui s'en contentent aussi. Bien sûr, chacun fait ce qu'il veut. Et parfois, c'est bonifié par l'éditeur ou l'éditrice, puisque c'est aussi... Moi, j'ai eu besoin de travailler avec... Justement, valide et puis... voilà... élève aussi, ça. C'est ça, moi j'ai vraiment travaillé longuement avec mes éditeurs au début. Donc là, sur mes premiers romans, ça arrivait qu'on fasse un travail conjoint pendant longtemps sur une table, à se dire, attends, il y a un truc qui ne va pas dans la structure, on reprend, on se re-questionne, je repartais à la maison, je retravaillais telle ou telle partie, je sabrais 30 pages ou 50 pages, ça me foutait tout en l'air, il fallait recommencer, etc. Et heureusement qu'il y avait ce dialogue-là, pour moi, c'est comme ça que j'ai appris. J'ai eu l'impression d'aller à l'école de l'écriture, puisqu'il n'y en a pas en France jusqu'à présent, vraiment, on n'a pas de moyens, quand on est étudiant, de se dire, tiens, je vais faire de creative writing comme aux États-Unis. Ou... Voilà, donc il faut bien, à un moment donné, avoir, oui, un apprentissage. Donc je suis d'accord que pour moi, le travail avec l'éditeur a constitué ce socle. Aujourd'hui, j'arrive à aller un peu plus loin toute seule, mais j'adore ce moment d'échange avec l'éditeur où il va y avoir une remarque, quelque chose qui va m'amener plus loin, oui, bien sûr. Et moi, ça m'a fait grandir aussi, ce travail en tant qu'auteur. Tout le travail que j'ai fait autour du premier roman, quand il est passé de l'auto-édition à l'édition, j'étais là avec beaucoup de candeur et je découvrais ça et j'ai beaucoup appris. J'ai beaucoup appris, ce qui fait que j'espère, mon deuxième roman est encore meilleur que le premier. Parce qu'on grandit, en fait, on grandit à chaque fois. À chaque roman, on propose quelque chose de différent, mais il y a quelque chose de nous qui a évolué. Olivier Liron, comment est-ce que vous travaillez avec Alma, surtout pour le deuxième, par exemple. Concrètement, comment ça se passe entre votre premier jet? Est-ce que c'est un jet final, d'ailleurs? Et est-ce que la chose qui le retransforme En fait, moi, j'écris souvent tout d'un coup, une fois que le manuscrit est une sorte d'organicité, ça fait quand même un truc, un bidule à peu près lisible. En général, je le fais lire et il y a comme ça plusieurs versions successives, mais quand même, à chaque fois, il faut qu'il y ait une cohérence, quoi. En tout cas, c'est comme ça que j'ai travaillé avec Catherine Argan, qui était mon éditrice sur les deux premiers livres. Et c'est sûr, il y a un aspect aussi jeu, en fait. Puis finalement, il y a aussi un plaisir peut-être de cette activité ou de ce métier, je ne sais pas comment on va appeler ça, d'écrire, et qui est vrai, un peu dans cet aller-retour où on apprend et quand même, souvent, l'éditeur sait mieux que nous quelle est notre intention, ou sinon notre intention, quel est ce vers quoi on va. Donc il peut nous aider à ce que l'on écrit soit encore mieux. Et voilà, après, vous écrivez pour que ce soit pour vous, pour changer le monde, ou pour après que ce soit écrire seul ou en auto-édition, en édition, je pense que toutes les options sont valables. C'est vrai qu'il y a cet aspect-là dans l'édition, en tout cas pour isoler cette spécificité un peu, qui est quand même, qui vous fait, je pense, gagner pas mal d'années, quoi. Pas mal d'années parce que moi je me souviens quand même de, là par exemple sur le dernier livre, qui a eu pas mal de succès, je pense que sans le travail que j'avais fait avec mon éditeur, ça aurait été une logorée de 400 pages, beaucoup trop. Mon éditrice m'a dit, non mais là on s'en fout de tel sujet, là t'as 6 sujets dans ton livre, donc tu vas te concentrer sur un sujet qui est en gros un récit autobiographique greffé sur un fil rouge qui est un jeu télé, bref. Donc ouais. Il y a vraiment comme ça, isolé, vraiment dessiner un axe dramaturgique. Sinon le roman il aurait fait 400 pages et il aurait été sans doute touchant, mais il aurait pas fait œuvre. Moi je suis un peu réac, mais je crois en fait que les livres sont des œuvres de même que des objets, et qu'il y a un aspect ébéniste, marqueterie, un aspect un peu artisanal en fait. Et en tout cas moi j'ai pas le talent et je serais incapable de réussir cet aspect là tout seul, donc j'ai besoin qu'on m'accompagne dans cette démarche, vraiment quoi. Je trouve ça vraiment nécessaire. En tout cas, ça s'apprend, ça, c'est effectivement, et peut-être il y aura des choses à mesure du temps que tu maîtriseras mieux, et puis d'autres, tu découvres. Voilà, le temps, tout s'en va. Ou en tout cas, les choses évoluent. Alors, est-ce qu'il y a, mesdames, messieurs, parmi vous des questions, des réactions, sachant qu'on va peut-être en avoir aussi par la page Facebook de Lire, puisque c'est aussi celles et ceux qui nous regardent qui sont sollicités pour réagir et interroger, mais vous êtes là. Ils sont là, profitez-en. Oui, alors on va vous passer un micro. On colle bien le micro au menton, comme ça tout le monde profite bien de votre propos. Oui,
Bonjour, moi j'ai été auto-éditée après avoir fait des tentatives d'envoi à des maisons d'édition. Et justement, c'est pour rebondir par rapport à ce qu'a dit Olivier au début. Non, c'est pas facile de se faire reconnaître d'une maison d'édition directement. Parce, ça, c'est sûr. Mais même si le manuscrit est bon, il y en a, effectivement, ils en reçoivent tellement que bien souvent, ils passent à la trappe avant d'avoir été lus. Et que justement, grâce à l'auto-édition, on peut avoir une chance de voir un jour son manuscrit édité. Et voilà. Et je peux en témoigner. Et ton livre est très réussi d'ailleurs. Ça, c'était pas le propos. Mais c'est vrai, ça. Merci. Mais voilà. Et on peut se faire éditer par une grande maison d'édition. Alors, entre guillemets. C'est quoi quel est votre Mon éditeur, c'est Mazarine. D'accord. C'est Mazarine. Et l'ouvrage ? Et l'ouvrage, c'est la compagnie des livres. D'accord. Voilà. Moi, j'ai lu la version auto-éditée. Voilà. Donc, j'ai beaucoup aimé. J'ai hâte de lire la version. Après, il y a aussi le plaisir des lettres de refus. On n'en a pas parlé, mais ça, c'est génial. Moi, j'en ai des centaines. Allez-y, anecdote. Je suis passé sans doute pour très prétentieux en disant que c'était facile de faire mieux. Mais moi, j'ai reçu des centaines et des centaines de lettres de refus. C'est vrai que c'est agréable. Moi, j'ai une énorme caisse où j'ai toutes mes lettres de refus, POL, machin, toutes les maisons d'édition prestigieuses. Vous avez fait un beau lapsus, la lettre de reçu. Reçu, j'ai dit ? Reçu, refus, voilà. Donc, ça s'accumule comme ça. Et au bout d'un moment, ça donne un peu de. C'est comme le compost, quoi. Ça finit par. Ça infuse, quoi. Et ça, puis, fait du bien, quoi, d'être refusé de temps en temps. Pour en avoir reçu aussi ma part de lettre de refus, moi, ce que je dis souvent, notamment aux ados qui ont vachement envie d'écrire et qui voient souvent uniquement l'aboutissement qui serait la publication, si je reprends tes mots, je suis aussi un peu réac de ce côté-là, je mets toujours en avant le côté. Chemin initiatique quand même, c'est-à-dire c'est important d'avoir peut-être des refus, de se casser la gueule, de pas penser que c'est tout de suite immédiat. Alors il y a une marge entre le tout de suite et puis le jamais. Au bout d'un moment, on se décourage. Ah, alors ça, et oui. On laisse le manuscrit dans un tiroir. Laissez-vous 20 ans à peu près avant de. Moi, je me suis découragée plein de fois. J'ai plein de manuscrits que j'ai fini par laisser tomber et finalement, avec le recul, je me dis bah oui, mais en fait, ils étaient pas bons. C'était le brouillon de peut-être un manuscrit à venir qui allait, lui, être éditable. Je ne dis pas du tout que c'est forcément le cas à chaque fois. Mais et en tout cas, garder cette idée que oui, c'est un cheminement et que l'auto-édition, même si le livre existe, ne sera pas forcément l'aboutissement, en fait. Si le but est aussi d'être finalement édité dans une maison d'édition classique. C'est ce que j'allais te dire, quel est l'objectif en fait ? Ça dépend de. Si c'est juste partager un texte, il y a des gens qui font des blogs, tu disais que tu avais un blog, voilà. Et puis il y a des gens qui vont sur Wattpad, c'est une plateforme qui cartonne. Il y a des gens qui ont été repérés sur Wattpad et qui sont maintenant publiés dans l'édition classique. Il y a des gens qui se dirigent vers l'auto-édition. Et puis voilà, après c'est la question de la démarche. Par qui je veux être lu ? Pourquoi je fais ça ? Et qui je veux toucher, mais je pense qu'il y a une humilité à avoir aussi et de se dire que ben voilà, mon texte, c'est pas hop, ça y est, il est né, c'est une pépite d'or. Non, il faut le travailler, le faire évoluer. Et voilà, parfois, les commentaires qu'on reçoit en direct de personnes qui l'ont lu, c'est aussi un petit peu comme des lettres de refus. C'est même pire. Ça remet en. Avec les réseaux, on peut recevoir tout de suite des critiques négatives ou positives avant même qu'on ait publié le livre, il est déjà. Avant même que ça sorte en librairie, on a déjà des blogueurs, etc. Donc c'est chouette, mais c'est vrai que ça donne une immédiateté qui nous fait réagir. Alors après, il y a même carrément aussi, pour aller dans le sens inverse de ce que je disais au début, parce que si on se contredit pas, c'est pas marrant. Il y a aussi, on sait tous qu'il y a des grands chefs-d'œuvre qui n'ont jamais été édités, qui ont essayé plein de lettres de refus, qui ont été publiés à titre posthume. Peut-être qu'avec l'auto-édition, je ne sais pas, Pessoa ou d'autres auraient été sur Wattpad et auraient fait des cartons, je ne sais pas. Mais, mais en tout cas, je pense que c'est une option, hein. C'est une vraie option. Alors, est-ce qu'il y a d'autres expériences de lettres de refus à collectionner ? D'autres questions ? Bonjour, donc, je m'appelle Sandrine, je viens de Suisse et j'ai auto-édité un livre. Et j'aimerais juste vous parler un peu de ce qui s'est passé après. Donc, je l'ai fait imprimer, je l'ai fait venir jusque chez moi à des frais de port pas croyables. Et ensuite, j'ai essayé de faire du dépôt-vente dans les librairies et il se trouve que la plupart des libraires où j'ai amené mon livre me l'ont refusé simplement parce qu'il était auto-édité en disant... on ne peut pas le publier s'il n'est pas inscrit dans un service de distribution, etc. Donc, d'un côté, il y a cette frustration d'avoir travaillé pendant des mois et des mois pour qu'on vous dise « Non, en fait, ce n'est pas vendable. » Et d'un autre côté, j'ai quand même sorti mon nom et ces libraires savent que j'existe et ils m'ont promis d'ailleurs de relire mon livre si je venais à l'éditer de manière traditionnelle. Donc voilà, c'est toujours un peu... on ne sait pas trop où se placer. C'est un équilibre, un bon dosage à trouver
Voilà. Mais c'est intéressant de savoir qu'effectivement, ça ne fonctionne quand même pas pareil entre l'auto-édition et l'édition. Sinon, il n'y aurait plus de, voilà, il y aurait plus de distinction. Et effectivement, avec le nombre de livres, évidemment, on est dans le lieu qui permet de s'en rendre compte le plus, hein, le nombre de livres qui sont publiés par an en édition classique, on ne peut pas en plus se dire qu'on va accepter en tant que libraire tous les livres auto-édités. Enfin, c'est juste pas envisageable, quoi. Après, moi, je trouve que c'est intéressant quand même. Vous en avez parlé hier après-midi dans la masterclass. Il y a une polémique en ce moment. À Montpellier, il y a le salon qui s'appelle la Comédie du Livre. Oui, c'est Vincent Molabé, le directeur, le président du CNL qui en parlait ici. Oui. Cette année, ils ont décidé d'ouvrir pour les auto-édités. Alors souvent, les auto-édités, maintenant, c'est fait sous forme numérique par des grandes plateformes. Et donc, les libraires, il y a une levée de bouclier des libraires et des éditeurs régionaux pour dire on n'en veut pas parce que ça met en danger le livre. Et je trouve que c'est une réaction, pour le coup, qui est un petit peu dommage parce que je pense qu'il y a des chemins à tracer. Il y a des chemins à tracer pour les auto-édités. Et il y a des choses à faire parce que s'il y a autant de gens maintenant qui sortent de l'auto-édition et qui sont repérés par des maisons d'édition traditionnelles, peut-être que les libraires peuvent aller voir aussi et proposer en dépôt-vente des livres qui sont auto-édités mais qui ont quand même une qualité qui est là à leur façon. Et voilà, je pense qu'il y a des chemins à tracer et je pense qu'il ne faut pas se braquer mais plutôt ouvrir des portes. Voilà. Sans doute, je ne suis pas libraire mais... Je pense à eux. Bonjour. Je leur passais le message. Oui, ça marche. Bonjour, moi je m'appelle Sophie, donc je viens d'être éditée chez Librinova par choix aussi, après avoir essuyé quand même quelques refus, mais j'ai décidé de ne pas aller plus loin quand Gallimard m'a refusé en fait. Les libraires n'ont pas notre livre en stock, par contre, à partir du moment où on est édité chez Librinova, on nous trouve très facilement. Et sur commande, tout simplement. Donc, ça prend 2-3 jours, mais le libraire reçoit le livre. Enfin, moi, j'ai essuyé aucun refus. Je vends mes livres. On est sur toutes les plateformes de vente. Donc, ce qui est quand même bien, parce qu'on peut donner les liens à nos acheteurs, à nos lecteurs. Donc, Librinova, moi, personnellement, m'a permis ça. Alors, si j'avais auto-édité dans mon coin chez un imprimeur, et puis que là, je comprendrais qu'on me refuse, mais les libraires ne refusent pas de commander notre livre quand on est édité chez Librinova. Voilà, je recommande. Ça chamboule pas mal de choses, descendre dans le monde de l'édition, à la fois l'auto-édition. C'est clair. Le fait que quand même, tout ce qui est réseau, blogueur, prennent pas mal... Enfin, sont en train de, je pense, développer d'autres modes d'influence par rapport ensuite à la diffusion, à la commercialisation du livre et la vente du livre. Tout ça fait que, comme tu dis, ça se redessine aussi. Et c'est bien si ça ouvre des brèches dans un univers qui est quand même un peu corseté souvent. Donc, je pense que c'est potentiellement des bonnes choses. Il faut voir ce que ça donne aussi, quoi. C'est comme pour tout, il y a du bon et du moins bon. Et après, on apprend et on grandit. Et voilà, pour ça. Oui, bonjour. Bonjour. Je m'appelle Arnaud et la masterclass s'appelait les. Bien, aujourd'hui, tout le monde se présente. Aujourd'hui, on a un public très urbain, c'est très bien. Oui, la masterclass s'appelait les secrets des auteurs. Donc, je me demandais si vous aviez un secret à nous donner avant de partir à remporter chez nous, en plus de continuer d'écrire, si ça fait sens pour nous, vu que c'était quelque chose qui était présent dans vos trois parcours. Donc, je me demandais si vous en aviez un pour nous emporter. Moi j'en ai un. Faites du sport. Ça a le mérite de vous surprendre et de vous faire rire. Mais cela dit, c'est vrai, c'est un vrai secret. C'est-à-dire, j'accompagne l'écriture d'une activité physique régulière et faisant transpirer. Du ping-pong. Alors pas du ping-pong, parce qu'il faut un partenaire et ça, c'est compliqué. Donc plutôt un sport individuel. Mais disons que ça permet de, je trouve, aborder le travail d'écriture sans mettre de côté. On n'est pas qu'un cerveau et justement on s'incarne et la présence corporelle face à finalement au texte, je dis ça vraiment sans rire, ça a vraiment un impact fort sur. C'est comme un acteur qui incarnerait. Dont la présence serait forte ou moins forte, l'intensité de sa présence sur scène. Finalement, nous, on n'est pas en direct, on n'est pas en direct face au lecteur, mais je suis sûre qu'on incarne mieux ce qu'on veut faire si on a fait du sport avant.
de témoignage sportif sur cette... Non mais c'est drôle parce que j'ai écrit un article qui est paru l'année dernière dans le magazine Open Mind et justement où j'expliquais que mon activité d'écriture s'est vraiment développée avec la course à pied. J'ai appris énormément et en fait finalement on n'écrit pas que quand on est face à son ordinateur ou son papier, on écrit tout le temps. Et moi quand j'ai fait du sport, c'est vrai que mon cerveau est vraiment en phase, je sens quand je marche ou quand je cours, il y a des connexions qui se font. C'est pas peut-être pas le secret que Arnaud attendait, mais en tout cas c'est un secret. Mais lui il fait déjà de la course à pied donc. Alors après ça suffit pas, c'est sûr, c'est pas juste, mais c'est une possibilité. Peut-être l'exigence, moi je dirais l'exigence envers soi-même et voilà, que ce soit qu'on soit auto-édité ou édité, je pense qu'on propose pas un manuscrit avant d'avoir été au bout de soi-même et plusieurs fois, c'est-à-dire on l'écrit, on le pose et après on le reprend et on va chercher la petite bête et puis après on le repose et puis on va demander pas juste à son amoureux, son amoureuse ou à ses parents de le relire, mais à des gens qui peut-être ne lisent pas ce qu'on écrit ou le genre qu'on écrit pour aller chercher des voilà, pour aller très se bien, tester-le auprès de gens qui sont pas des grands lecteurs. Ouais, c'est vrai, moi j'ai fait ça lire à mes meilleurs amis qui m'ont dit c'est vraiment pas bon. Je me suis dit bon bah s'ils lisent pas beaucoup donc ça doit être vraiment pas bon. Moi, mon secret, c'est pamplemousse. Vous êtes resté amis ou... On est resté amis, bien sûr, heureusement. Je ne suis pas quand même à ce point-là, un peu mégalo, mais pas à ce point-là. Alors moi, c'est le pamplemousse ou du citron vert, quelque chose, vraiment des vitamines. Et les vitamines, ça aide à avoir la foi, quoi. Je crois que si on n'a pas la foi, il faut arrêter d'écrire. Aie la croix, porte ta croix et aie la foi. Ça, c'est vraiment l'essentiel. Croyant ou pas, ça, mais aie la foi, vraiment. Et vous avez vu, on est dans un monde super fitness, parce qu'entre le pamplemousse et le sport, on ne vous a pas conseillé de prendre des substances bizarres et tout. Les temps changent. À moins qu'il y ait une toute dernière question, réaction, témoignage, passion pour les lettres de refus ou des choses comme ça, on va fermer la parenthèse pour cette table ronde. Il y en aura d'autres sur le stand de Lire Librinova. Je vais juste demander à chacun des auteurs où et quand, à quelle heure, vous dédicacez durant ce salon du livre. Moi, je ne dédicace pas. Je fais partie des auteurs publiés chez des maisons d'édition qui ne sont pas présentes au salon. Mais je crois qu'il y a quand même quelques maisons d'édition présentes sur ce salon. Donc n'hésitez pas. Sinon, vous êtes venu exprès pour nous. Exactement, exprès. Merci. J'ai bravé la météo. Pour livrer vos secrets. Et sinon, je vais faire un coup de pub pour mon deuxième livre qui s'appelle Einstein, le sexe et moi, qui est publié chez Alma Éditeur. Et tous les livres d'Alma Éditeur, d'ailleurs, sont très bons. Donc n'hésitez pas. Il y a pas mal de signatures à Paris. Vous pouvez suivre sur les réseaux sociaux, justement. Oui. Alors moi je dédicace tout à l'heure de 18h à 19h30 sur le stand Gallimard Jeunesse et demain sur le stand Fleuve Pocket de 16h à 18h. Donc retrouvez-moi et je suis aussi sur Instagram. Et moi je dédicace de 14h à 15h là aujourd'hui tout à l'heure sur le stand Erol P75. D'accord, on a même les coordonnées, c'est parfait. Merci à nos trois auteurs. Merci évidemment à vous toutes et tous, mesdames, messieurs, ici à Livre Paris et sur la page Facebook de Lire, où on peut de toute façon regarder. Et je vous invite à regarder, à partager, à liker, appuyer, à surcommuniquer sur la question. Et je pense même qu'il reste quelques exemplaires du numéro de mars du mois de Lire qui a excellente réputation. Et il y en a même des anciens. Merci en tout cas, et puis n'hésitez pas à repasser ici parce que jusqu'à lundi, il y a moult tables rondes avec plusieurs où il y aura des secrets aussi, parce qu'à chaque fois il y a des secrets, des témoignages, etc., sur des expériences. Merci à toutes et tous et bonne suite de Salon du Livre. Merci. Merci Hubert. Merci.